بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Mes chers frères et sœurs en islam, on vit aujourd'hui dans cette ère qu'on appelle l'ère de la science, l'ère de la connaissance, une ère dans laquelle la connaissance la plus importante est devenue le fait d'être renseigné sur une machine comme celle-ci. Et ce n'est pas pour rabaisser l'importance d'une machine. Et ce n'est pas pour faire croire aux gens qu'en islam, l'avancée de la recherche scientifique, de l'innovation, de la technologie est une chose qui n'est pas importante. Loin de nous de commencer avec ça. Mais comme on le sait en tant que croyant, Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala nous a créés pour une mission. Et on ne doit pas oublier quelle est cette mission pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour un objectif, pour un but. Et il nous a donné des moyens pour pouvoir arriver à ce but. Mais de nos jours, lors de notre ère, l'ère dans laquelle on vit, il semblerait que les gens ont fait des moyens, ils ont transformé leurs moyens que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnés en des fins, en des objectifs. Et le meilleur verset, ou bien l'un des meilleurs versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui décrivent l'état de la majorité des êtres humains de nos jours, c'est quoi? C'est quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de ces personnes-là qui sont... وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ Ceux qui ont oublié leur Seigneur, ils ont oublié Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, qui est la chose la plus importante de laquelle on devrait se rappeler et être renseigné. Et c'est quoi al-jaza, c'est quoi al-natija, c'est quoi le résultat, les conséquences? La première punition que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à ces personnes qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait oublier leur propre personne. Ils se sont oubliés. Et ça c'est une phrase qu'on entend très fréquemment de nos jours, que les gens ils disent, ah je ne prends pas assez soin de moi. Je devrais commencer à penser plus à moi. Et les gens ils essayent et ça ne fonctionne pas. Les gens ont oublié leur frères en l'humanité. Les humains se sont oubliés les uns les autres. On vit dans une ère, comme vous le savez tous, qui est une ère d'égoïsme par excellence, de matérialisme par excellence. Tu sais que quelqu'un est en train de mourir de faim devant toi, mais c'est le dernier de tes soucis. فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ Ça fait partie de ça, comme c'est mentionné dans certains livres de tafsir, que moi je vais t'oublier et l'autre il va m'oublier lui aussi. Pourquoi? Tout ça c'est une conséquence du fait que les gens ont commencé à oublier la connaissance la plus importante qui est dans cet univers, qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Qui est Allah? Ça c'est la plus grande question que toute créature devrait se poser. Qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le sait, parce que je peux imaginer qu'il y ait des personnes dans l'audience qui ne connaissent pas peut-être trop de choses sur l'islam, Allah,
ce n'est que le mot arabe qui décrit le sens de la phrase en français qu'on pourrait traduire comme étant Dieu unique. Ça veut dire le créateur des cieux et de la terre. Et c'est ironique parfois de trouver des non-musulmans qui insultent Allah en pensant que ça c'est une chose qui est, en quelque sorte, qui est positive. Pour défendre leur religion, ils vont insulter Allah, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et ils ne savent pas que même les chrétiens et les juifs arabes, ils appellent Dieu, ils l'appellent Allah. Même les polythéistes lors du temps du prophète, alayhi salatu wasalam, qui adoraient plein de divinités et plein d'idoles, ils savaient que le créateur c'était Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous informe de ça dans le Coran al-Karim. Donc comment répondre à cette grande question qui est Allah? Comment connaître Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala? Et la réponse encore une fois c'est que la seule façon de connaître Allah subhanahu wa ta'ala c'est à travers le message d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous, c'est un ghaïb. C'est quelque chose qui est invisible. C'est l'être suprême, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. La tudrikuhu l'absar wa huwa yudrikuhu l'absar. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut imaginer par notre propre cerveau, connaître par notre propre inspiration ou notre cœur. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé des prophètes et des messagers. Pour nous dire c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pour nous? Et qu'est-ce qu'il ne veut pas pour nous? Donc la seule façon de connaître Allah, c'est à travers les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont le dernier qui est le Coran, le message du dernier des messagers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la tradition du prophète alayhi salatu wa sallam. Dans ces mots authentiques alayhi salatu wa sallam, ce qu'on appelle habituellement les ahadiths. Et dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui veut vraiment connaître Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas quelque chose de plus facile que ça. Tout ce que tu as à faire, c'est ouvrir le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas trouver la description de ton Seigneur à l'intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à Moïse, à Moussa alayhi salam. Qu'est-ce qu'il dit subhanahu wa ta'ala? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Il dit subhanahu wa ta'ala, certes, je suis innani anallahu, je suis Allah. Ça c'est Moussa alayhi salam qui est un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala et malgré ça il a besoin de connaître c'est qui son Seigneur. Il dit c'est moi Allah, la ilaha illa ana. Il n'y a d'autres divinités véridiques à part moi. Et ça c'est la première composante importante quand on parle de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, même les polythéistes lors du temps du prophète alayhi salatu wasalam, ils savaient que le créateur c'était Allah. Ils adoraient des pierres, ils adoraient des arbres, plein d'autres objets, mais personne d'entre eux ne prétendait que ces idoles-là étaient les créateurs de cet univers. Ils savaient que le créateur, c'était Allah. Ils savaient que Allah, subhanahu wa ta'ala, il existe. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut en connaître plus sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut connaître que la ilaha illa ana, il y a d'autres qui a le droit d'être adoré à part Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. C'est la seule divinité qui est véridique. Ça veut dire tu ne peux pas dire que moi je crois qu'il y a un seul créateur qui s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'en même temps je vais adorer d'autres divinités. Je vais adorer une pierre, je vais adorer par exemple un arbre, une personne, de l'argent, un téléphone, un objet, un appareil. Non. Tu adores un seul Seigneur qui est le créateur des cieux et de la terre, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, après ça, qu'est-ce qu'il dit Allah à Moïse, à Moussa, alayhi salam, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Alors, adore-moi. La première obligation, la plus importante obligation qui répond à la question, à la deuxième question existentielle, après le fait de connaître ce qui Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pourquoi est-ce que Allah m'a créé? Pourquoi est-ce que j'existe sur cette terre? Est-ce que nous existons pour le simple fait de gagner des diplômes, pour se faire de l'argent, pour se marier, pour construire des maisons? Qu'est-ce qui va arriver après tout ça? Un jour qu'on va tout accumuler, qu'est-ce qui arrive après? On va mourir. Pourquoi on a pu vivre et pourquoi on meurt? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Toute personne qui est sensée, qui est raisonnable de nos jours, n'est-ce pas? Si on voit une personne qui sort de sa maison à 8h du matin aujourd'hui, on va la questionner, on va lui dire « Pourquoi tu es aujourd'hui ?» S'il va dire « Je ne sais pas, je suis sorti, j'ai eu l'idée de sortir, je suis sorti, il y a mes pieds qui m'ont emporté dehors. J'existe dehors, c'est comme ça, c'est la réalité. Mais je ne sais pas pourquoi je suis dehors. »
On va dire que ça, c'est quelqu'un qui est fou. Ce n'est pas quelqu'un qui est sensé. Parce que toute personne, tout être humain qui est sensé, qui est doué d'une raison, d'une sagesse, va savoir qu'il ne devrait faire quelque chose que s'il y a un objectif derrière ça. Je suis sorti pour respirer, pour voir la nature, pour rencontrer un ami, telle et telle autre raison. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran al-Karim que la raison de notre existence dans cette terre et dans cette vie, c'est quoi? C'est d'adorer notre Seigneur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ça, c'est la raison pour laquelle nous avons été créés sur cette terre. C'est pour être éprouvés, pour être testé. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la vie ainsi que la mort pour vous éprouver lequel d'entre vous va être le meilleur dans ses actions. Et après ça, on va mourir. Et après ça, on revient à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala et il va nous questionner, il va nous juger sur nos actions. Est-ce qu'on a fait de notre meilleur pour satisfaire à ce qu'il demande subhanahu wa ta'ala, ou bien on s'est totalement égaré de son chemin et on va devoir rendre des comptes. Et c'est pour ça qu'il dit subhanahu wa ta'ala innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Alors adore-moi, tu dois adorer ton Seigneur Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour ça, en passant, que les savants de l'islam, ils ont fait une analyse des textes du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont trouvé que les meilleurs et les plus importants des versets du Coran, de l'Al-Qur'an al-Karim, sont les versets qui parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le plus grand verset dans l'Al-Qur'an al-Karim? La plus grande ayah, la plus importante, on appelle ça ayatul kursi. Le verset du trône, comme on le traduit en français, même si la traduction n'est pas très précise, n'est-ce pas? Ayatul kursi, c'est quoi ayatul kursi? Ce verset nous parle de quoi? Ça ne parle que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum al-ayah. Vous connaissez le verset. C'est quoi le chapitre le plus important du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est Suratul Fatiha, le prologue, le premier chapitre du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus important, le plus valorieux de tout Al-Qur'an Al-Karim. Ça parle de quoi? Ça parle d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahi, louange à Allah. Les louanges, ça veut dire que tu es en train de reconnaître la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les attributs de perfection reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi, les louanges à Allah, c'est qui Allah? Encore une fois, la réponse, elle vient directement. Dès que tu ouvres le Coran, c'est la première chose que tu vas trouver. On va t'informer c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala. Louange à Allah, Rabbil Alamin, le Seigneur des univers. Le Seigneur de tous les univers. Ça veut dire le Seigneur de toutes les générations qui ont existé avant nous et qui vont exister après nous. Le Seigneur de tous les univers qui existent à l'intérieur de la mer, dans les airs. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Toutes les créatures dont nous, on n'est même pas informés, on ne sait pas qu'elles existent. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est leur Seigneur. Et tu vas continuer dans Sourate al-Fatiha, c'est la même chose. Dans ce chapitre, ça ne te parle que d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et après ça, encore une fois, ça te parle de l'adoration. Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons. Tu adores Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et après ça, un autre verset que, ou bien d'autres versets qu'on récite très fréquemment, et que le prophète, que la paix règne sur lui, alayhi salatu wa salam, il nous a informé que ce chapitre-là, qui est très court, égale et vaut dans son importance le tiers du Coran. Le tiers de Al-Qur'an Al-Karim. C'est quoi ces versets? Suratul Ikhlas, le chapitre de la sincérité. Qul huwa Allahu ahad. Dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique, il n'a pas d'autre partenaire. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Une description très simple qui répond encore une fois à la question qui est Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas été engendré et il n'a pas engendré. Ça veut dire qu'il n'a pas donné naissance à quelqu'un et personne ne lui a donné naissance, comme on va le voir un peu plus tard, incha'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de parents et n'a pas de fils et n'a pas d'enfants subhanahu wa ta'ala. Il a toujours existé et il va toujours être là. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun équivalent. Il n'y a personne qui équivaut à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a les mêmes attributs de perfection que lui. Donc vous remarquez que tout ça, les meilleurs, les plus importants versets de l'Qur'an al-Karim, ça ne te parle pas de quelque chose qui est si importante que la prière, que la zakat, que le pèlerinage, que autre chose. Ça te parle de quelque chose de beaucoup plus important que ça.
qui est Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, qui devrait être notre première connaissance qu'on doit acquérir en islam, qui est Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il se décrit subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit huwa al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru lahu al-asma'u al-husna. Il est al-khaliq, il est le créateur, subhanahu wa ta'ala. Al-bari'u, al-musawwir. Tout ça, c'est des attributs qui décrivent encore une fois, qui reviennent à l'attribut de création, du pouvoir de création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a tout créé. Lahu al-asma'u al-husna. À lui appartiennent, et à lui seulement appartiennent, les plus beaux noms. On sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms. On le connaît avec ses noms, avec ses attributs. Et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les plus beaux noms. Ça veut dire que c'est les noms de la perfection. Le prophète alayhi salatu wa salam, dans un hadith qui est authentique, qu'est-ce qu'il a dit alayhi salatu wa salam? An Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu, comme dans Sahih al-Bukhari, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. مئةً إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة. Il dit عليه الصلاة والسلام, certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il possède 99 noms. Ça veut dire quoi? Il possède 99 noms. Et il dit après ça, عليه الصلاة والسلام, مئةً إلا واحداً, 100 moins 1. Ça veut dire c'est 90. Tout celui qui va les connaître, on va voir un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout celui qui va connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala va accéder au paradis. Narration authentique qui est dans Sahih al-Bukhari. Est-ce que ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne possède que 99 noms? Non. Ici, le sens du hadith, c'est que si tu arrives à faire le ihsa, la bonne connaissance de 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas accéder au paradis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a beaucoup plus que 99 noms et beaucoup plus que 99 attributs. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wasalam, il disait dans son dua, dans ses invocations, comme dans le hadith authentique, As'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghayb 'indak. Il dit alayhi salatu wassalam, oh Allah, je te demande par chaque nom qui te appartient qu'il soit mentionné dans ton livre, ça veut dire le Coran, ça veut dire les noms que nous en connaît, ou bien que tu aies attribué, ou bien que tu aies accordé ce nom à seulement l'une de tes créatures. Il y a un prophète, un ange qui connaît un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous on ne connaît pas. Ou bien il y a d'autres noms que c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui les connaît subhanahu wa ta'ala, qui lui appartiennent à lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup plus que 99 noms. Mais il dit alayhi salatu wassalam que si tu connais al-ihsa, ce qu'on appelle ihsa man ahsaha, si tu connais 99 noms, tu vas accéder au paradis. Ici, les savants, ils ont dit, ça ne veut pas dire tout simplement de mémoriser, de les connaître par cœur. Ça, c'est la première étape. Mais après ça, pour pouvoir accéder au paradis, tu dois connaître c'est quoi l'essence de ces noms. Tu dois les comprendre pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et après ça, la troisième et dernière étape, c'est que tu vas vivre en accordance avec ces noms. Tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms, ses bons noms subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'autre verset, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui que appartiennent les bons noms, les plus bons noms. Alors invoquez-le avec ses noms. Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu fais ton dua, tu vas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms. Ça veut dire, tu vas dire, Ya Ar-Rahim, si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala, il va te pardonner. Est-ce que tu vas dire, oh Allah, le très grand, celui qui punit sévèrement, pardonne-moi? Ça ne va pas avec. Tu vas dire, oh Allah, c'est toi Ar-Rahim, le plus miséricordieux, c'est toi Al-Ghafour, le pardonneur, alors pardonne-moi. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et ses attributs, pour que l'adoration ne devienne pas une simple procédure, n'est-ce pas, un exercice physique. Quand tu fais ta prière, tu le fais comme une routine. Non, tu vas lier
ton adoration, ta ibadah, ton acte de dévotion, tu vas le relier à celui pour lequel tu le fais, qui est Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Fad'uuhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi kama qala Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et comme on l'a mentionné, ça c'est une garantie du prophète alayhi salatu wassalam, si tu vas connaître ses noms, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner accès au paradis. On revient au verset de tout à l'heure. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. On avait dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur. C'est qui Allah subhanahu wa ta'ala? C'est le créateur. Le créateur de qui? De chacun d'entre nous. Mais beaucoup plus que nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, qu'est-ce qu'il dit? وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et il crée ce que vous ne pouvez même pas connaître. Ça veut dire, si tu vas lire tous les dictionnaires du monde, toutes les encyclopédies du monde, tu vas avoir toute la connaissance que les êtres humains, ils ont découvert jusqu'à aujourd'hui, tu ne vas pas connaître toutes les créatures d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Comme la question très fréquente, n'est-ce pas la question, bien sûr, ce n'est pas juste les musulmans qui se posent cette question-là, mais il y a même des non-musulmans qui se posent cette question, parfois de façon qui est pas mal scientifique. Est-ce qu'il y a une vie à l'extérieur de notre planète ? Y a-t-il d'autres créatures sur les autres planètes? Nous, qu'est-ce qu'on dit en tant que croyants? On dit Allahu A'lam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Nous, on ne le sait pas. Si c'était nécessaire pour nous de le connaître, qu'il y a des créatures qui vivent sur la planète Mars et sur telle planète et telle planète, Allah subhanahu wa ta'ala nous en aurait informé. Mais on ne peut pas tout connaître. On est des simples créatures. Donc nous, on dit quoi? وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il crée ce que même nous, on ne peut pas savoir. Il y a les djinns, les esprits qui sont créés à partir de feu. Il y a les anges, al-malaïka, alayhim as-salam, qui sont créés à partir de lumière, qui vivent avec nous sur cette terre et malgré ça, on ne les voit pas. Il y a des créatures, les personnes spécialistes dans ce genre de domaine peuvent vous le confirmer, vous pouvez faire des recherches, inshallah. Dans les océans, il y a tant de créatures d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et ils découvrent tant de nouvelles créatures et de nouvelles catégories de poissons qu'il y a des poissons qui n'ont même pas de nom. Il y a des créatures qui n'ont pas de nom. C'est parce que l'être humain, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, toute la connaissance que vous avez, les êtres humains, ce n'est que très peu. Si tu penses que le fait de savoir comment utiliser cette machine ici, n'est-ce pas, comment envoyer un SMS très rapidement comme ça, que tu es devenu un connaisseur, n'est-ce pas, que tu vis dans l'ère de la science, n'est-ce pas, et que l'être humain, il fait de nos jours ce que personne n'a fait avant lui, tu te trompes. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit fil Qur'an al-Karim dans son livre subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, regardez un petit défi ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lance aux polythéistes. Les mouchriquins, lors du temps du prophète, alayhi salatu wassalam, encore une fois, pour leur parler, pour parler à leur raison. C'est parce que le Coran, c'est un livre en passant, n'est-ce pas? On essaye parfois de donner l'image que l'islam, c'est une religion qui est contraire à la science, contraire à la raison, n'est-ce pas? Et on va assumer que c'est la même chose que les autres religions qui ont été altérées et modifiées. Et le problème, c'est quand nous, les musulmans, parfois, on va tant entendre ce genre de choses dans le discours médiatique, qu'à long terme, on va commencer à être affecté. On pense que vraiment l'islam, oui, ce n'est pas quelque chose qui est raisonnable. C'est une religion au sens que c'est une foi et c'est fini. Tu l'acceptes et c'est fini. Ce n'est pas vrai. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran al-Karim, est plein de débats qui sont rationnels, qui sont raisonnables, qui discutent avec la logique. Donc ces mouchriquins, ces polythéistes, ils ont dit oui, il y a Dieu, il existe, il s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, malgré ça, on va adorer telle pierre et telle autre pierre et telle idole, n'est-ce pas? En passant, le prophète, alayhi salatu wassalam, notre cher prophète, alayhi salatu wassalam, qui a été persécuté à la Mecque, etc., etc., on ne lui a jamais dit que Dieu n'existe pas. Il n'y a personne qui lui a dit que ce n'est pas vrai ça, Dieu, que Dieu n'existe pas, que tu n'as pas de preuves scientifiques pour ça, non. Tout le monde, la majorité des personnes, acceptaient que Dieu y existe. Le problème, c'était quoi? La différence entre le prophète, alayhi salatu wassalam, son message, et entre les croyances des polythéistes, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a dit, il y a un seul Seigneur, le Créateur, c'est lui que vous adorez. Eux, ils ont dit, non, 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 on va adorer d'autres créatures avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont nous rapprocher de Dieu. Un manque de confiance dans le cœur, c'est ça le problème. C'est quand tu n'as pas assez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas dire, oui, c'est vrai, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Créateur, et telle chose, mais c'est aussi peut-être mon boss.
c'est mon professeur à l'école, c'est telle chose, c'est telle personne qui peut me faire du bien et du mal. Donc si je me tourne seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, je risque de perdre les autres. Donc je vais essayer un peu de faire le compromis. Parfois j'adore Allah subhanahu wa ta'ala, et parfois même les autres êtres humains, presque je vais les adorer. Ça veut dire je vais, de façon qui est complètement aveugle, je vais leur obéir. Même quand je sais qu'on me demande de faire des choses qui n'ont pas de sens, c'est des choses qui sont complètement erronées. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il lance un défi aux mouchriquines, aux polythéistes, pour les ramener à la raison. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. يا أيها الناس, ça veut dire oh vous les gens, ça veut dire on s'adresse à tout le monde. Tout le monde, ouvrez vos oreilles. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala demande de faire. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Ces autres idoles que vous adorez avec Allah subhanahu wa ta'ala ne peuvent même pas créer une seule mouche, même s'ils vont tous se rassembler pour le faire. Ça veut dire ramener tous vos idoles et vos pierres et Lat, Al-Uzza, n'est-ce pas, les différents dieux qu'ils avaient, demandez-leur de créer une seule mouche. La mouche qui est une créature qui n'a aucune valeur, l'une des plus petites créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas un être humain, n'est-ce pas? C'est pas un lion, c'est pas une montagne. Créer une seule mouche, impossible. Et ça, c'est depuis le temps du prophète alayhi salatu wasalam jusqu'à aujourd'hui. Demande à toutes les universités du monde, à tous les instituts du monde, à tous se rassembler ensemble et à créer une mouche, une vraie mouche. Pas une machine comme ça qui ressemble à une mouche, n'est-ce pas? Une vraie mouche. Ils vont être incapables de le faire. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé une mouche, deux mouches. Il a créé des milliards et des milliards de mouches et d'êtres humains et d'anges. Et de telles choses, et de telles choses, وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, comme on l'a mentionné. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a mentionné dans ce même verset, هُوَ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, à lui appartiennent les meilleurs noms, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Regardons ensemble, on va se partager ensemble comme ça, parce que vraiment, bien sûr, c'est une conférence, ce n'est pas un cours de plusieurs heures, on ne peut pas parler de tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si on va passer notre vie à parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a mentionné, on ne va jamais complètement connaître Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Mais on va essayer de se partager comme ça quelques noms, quelques attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala pour connaître plus qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Awwal wal-Akhir. Il est le premier et le dernier. Qu'est-ce que ça veut dire le premier et le dernier? Ça, c'est l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire Al-Awwal laysa qablahu shay'. Il n'y a rien avant lui, subhanahu wa ta'ala. Si tu veux te demander la question, mais qu'est-ce qui existait avant Allah, subhanahu wa ta'ala? La réponse c'est quoi? Comme le prophète, alayhi salatu wasalam, nous a dit, فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَلْيَسْتَعِذِ. Ça c'est une porte du shaytan, du Satan qui veut t'égarer du chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que la seule, presque, n'est-ce pas, c'est presque la seule réponse à laquelle tu ne peux pas avoir, ou bien presque la seule question à laquelle tu ne peux pas avoir une réponse qu'on appelle de nos jours scientifique, parce que c'est une question qui sort du domaine des créatures. C'est le créateur, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas la logique des créatures, que toute chose qui existe, il y a quelque chose avant ça. Non, maintenant tu viens d'admettre que lui, c'est le créateur, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il y avait avant? N'ouvre même pas ton esprit pour une telle question. وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, comme on l'a mentionné. Demande à cette personne qui, n'est-ce pas, qui essaye d'être l'intellectuel de la ville, n'est-ce pas, qui va te dire, mais moi je veux savoir qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu, qu'est-ce qu'il va y avoir après Dieu, etc. Demande-lui, arrête-toi maintenant, sans utiliser de machine ni rien du tout, commence à me dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton corps. Commence à décrire ton corps de l'intérieur, qu'est-ce que tu as de l'intérieur. Il va te dire, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça. N'est-ce pas, si tu veux te voir de l'intérieur, tu vas mourir, tout simplement. Si tu veux le voir, peut-être parfois, n'est-ce pas, avec des rayons laser, etc., on va te montrer, n'est-ce pas, avec 3-4 couleurs maximum comme ça, mais si tu veux vraiment voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi-même, tu vas devoir te couper en deux, c'est aussi simple que ça. Donc la question, qu'est-ce qu'il y avait avant Allah? Notre réponse, c'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Awwal, c'est le premier, il n'y a rien avant lui. Wal-Akhir, c'est le dernier. Il n'y a rien après lui, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala.
Et il est Al-Hayy, subhanahu wa ta'ala. Il est le tout vivant. Qu'est-ce que ça veut dire, il est le tout vivant? Ça veut dire, il ne meurt pas. Allah, subhanahu wa ta'ala, ne meurt pas. Wal-jinnu wal-insu yamutun. Et les êtres humains, ils meurent. Et les êtres humains, ils s'attachent à la vie parce qu'ils ont peur de mourir. Et c'est incroyable comment les êtres humains, n'est-ce pas? Les êtres humains sont si arrogants de nos jours. N'est-ce pas? Lui, c'est un CEO, l'autre, c'est un, je sais pas moi, un milliardaire et telle chose. Il pense que ça y est, là, c'est fini. Il est le seigneur de l'univers. Et il sait pas qu'il vient de naître et il va mourir très bientôt. Il y a combien d'êtres humains aujourd'hui sur la Terre? 7 milliards environ, n'est-ce pas? 7 milliards. Vous savez ce que ça veut dire? 7 milliards de personnes. Le chiffre en tant que tel est incroyable. Et toi, tu ne le remarques pas. Regardez comment est-ce qu'on va parler de ça tout à l'heure, Inch'Allah. Al-Latif, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait son qadar, le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala, il passe doucement, n'est-ce pas? Toi, tu ne remarques pas tes amis, tu les vois hier, tu vas le voir demain, n'est-ce pas? Après ça, toi, tu voyages, tu changes d'université, tu le rencontres après 5 ans, il est encore là, et tu penses que la vie, elle est là pour durer très longtemps. Si on prend aujourd'hui comme repère, dans 10 ans, juste 150 ans, d'ici 150 années, après aujourd'hui, d'ici 150 années, on va faire un peu, petite marge comme ça pour qu'il ne nous parle pas du doyen de l'humanité qui vit 120 années, etc. Mais logiquement comme ça, en général, statistiquement, d'ici 150 années, combien de ces 7 milliards de personnes seront vivantes? Personne. Tout le monde va être sous la terre. Toutes ces personnes qui, il y a debout, n'est-ce pas, ils marchent, l'autre ils courent, etc. Personne ne va être. Et vous savez quoi, subhanallah? Ça c'est quelques détails comme ça. On ne sait pas encore une fois, il y a beaucoup, des choses beaucoup plus grandes. Mais il y a des recherches scientifiques, c'est le peu que la science a pu découvrir, qu'il y a certains petits poissons qui vivent à l'intérieur de l'eau, des océans, que leur durée de vie est d'environ 150 années. Un petit poisson qui, comme ça, très faible, qui est à l'intérieur de l'océan, qui vit pendant 150 années. Ça veut dire, lui, il est né, il y a 7 milliards d'êtres humains qui font la guerre et qui font tout ce que vous pouvez imaginer et qui vont mourir après ça et le poisson est encore vivant. Et avant ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-hayy, il est le vivant, ça veut dire même ce poisson, ce n'est qu'une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a existé et qui ne va pas exister un jour. Il va mourir. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-hayy. Et il est Al-Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dort pas, comme le prophète alayhi salatu wasalam nous a informé dans le hadith authentique, et comme c'est dans le verset, ou bien qui est dans surat, ou bien qui est fi ayati al-kursi, comme on l'a mentionné. Un autre attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'attribut de miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ar-Rahman ou Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. On n'a pas le temps de parler des détails entre, c'est quoi la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. On veut parler généralement de l'attribut de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus miséricordieux. Ça veut dire toute miséricorde que toi tu peux imaginer, Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde est beaucoup plus grande. Regardez ce hadith du prophète alayhi salatu wasalam, n'est-ce pas le hadith qui est authentique, qui est dans Bukhari et Muslim. Le prophète alayhi salatu wasalam, une fois il a vu comme ça une femme en train de courir, elle a pris son bébé, elle a commencé à allaiter son bébé. Elle a commencé à allaiter son bébé. Alors le prophète alayhi salatu wasalam veut prendre cette opportunité pour donner un exemple, une analogie à ses compagnons pour qu'ils connaissent ce qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il a dit alayhi salatu wasalam, "Atarawna hadhihi tarihatan waladaha fi an-nar?" Pensez-vous, pouvez-vous imaginer que cette femme-là va jeter son bébé en enfer, va le jeter dans le feu? Pensez-vous, est-ce que c'est une chose qui est imaginable, qu'une mère qui est en train d'allaiter son bébé, quelques moments plus tard, elle va mettre un feu, elle va le jeter à l'intérieur? Ils ont dit, « La ya Rasulallah !» Ils ont dit, « Impossible, c'est insensé !» Alors il a dit quoi, alayhi salatu wasalam? Il a dit, « Alors sachez, Allah arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. » Sachez donc que Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux envers ses serviteurs, les êtres humains, cette femme-là envers son bébé. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux envers toi que ta propre mère. Que ta propre mère. Et ça, tu dois le savoir. Ta propre mère, ton propre père, n'est-ce pas, ton épouse, tes enfants.
Toutes ces personnes-là qui pourraient avoir tant de miséricorde pour toi, tu dois connaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux envers toi que toutes ces créatures. Parce que ces gens-là, le jour où ils vont être dans le sérieux trouble, dans des situations vraiment difficiles, peut-être ils vont t'oublier. Même ta mère, parfois, tu vas lui demander des choses, elle va te dire, je suis occupé, tu me demandes trop de choses. Ton épouse, la même chose. Tes enfants, la même chose. Tu les aimes quand ils sont jeunes, une fois qu'ils vont grandir, ils vont t'oublier. Et tout le monde qui te fait des éloges et qui te dit, nous, on t'aime beaucoup, n'est-ce pas, on t'écrit des cartes, on te donne des fleurs, des cadeaux, n'importe quelle chose, le jour où tu vas mourir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'emporter, ils vont t'enterrer, ils vont pleurer pendant 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, après ça, ils vont t'oublier. Ils vont faire une image comme ça, une petite photo à la maison, ils vont t'oublier. Et ils vont commencer à rire et à rigoler, etc., etc. Mais le seul qui ne t'oublie pas, si tu ne l'oublies pas, c'est Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Parce que c'est le plus miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Il est ar-Rahman ou ar-Rahim. Mais en même temps, attention, il faut connaître aussi c'est quoi la balance, connaître Allah subhanahu wa ta'ala comme il est vraiment en réalité, pas comme nous on essaye de l'imaginer, subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu vas dire aux gens que Dieu il est miséricordieux, qu'est-ce que les gens vont faire? Ça va être la fin. Les gens vont commettre les pires crimes que tu puisses imaginer. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est aussi juste. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime la justice. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux envers toi, ça ne veut pas dire qu'il te donne le droit de faire du mal aux autres et après ça de venir réclamer la miséricorde. Man la yarham, la yurham. Comme a fait hadith Nabi alayhi salatu wasalam. Celui qui n'est pas miséricordieux envers les autres, Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas miséricordieux envers lui. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il est en même temps quoi? Shadid al-iqab. Sa punition est sévère. La personne qui ne fait pas ce qu'elle doit faire pour mériter la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va peut-être appliquer la justice sur lui et la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala est très sévère. Le prophète alayhi salatu wasalam, ou bien avant de mentionner ce hadith, regardez comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala répond à ce genre de personnes indirectement, n'est-ce pas? Personnes qui disent toujours Allah ghafur rahim. Pourquoi tu fais pas ta prière? Parce qu'Allah il est miséricordieux. Pourquoi tu désobéis à Allah? C'est parce qu'Allah il est miséricordieux. Ghafur rahim, ghafur rahim, ghafur rahim. Mais lis le Coran au complet, ne prends pas quelque chose que tu aimes et tu laisses le reste. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim. Informe mes serviteurs que je suis le tout pardonneur et le tout miséricordieux. Wa anna adhabi huwa al-adhab al-alim. Et que ma punition est la punition sévère. La punition qui fait mal. Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? I'lamu, sachez. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez, i'lamu. Ici ça commence avec l'inverse. Sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, sa punition est sévère. Mais pour que tu ne perdes pas espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce qu'aussi il y a l'autre extrême. Si tu vas vivre ta vie en pensant que ton Seigneur il est seulement celui qui aime, n'est-ce pas, te punir et qu'il est sévère, etc., tu vas mourir de peur. Tu vas mourir de terreur, tu ne peux pas vivre. Alors il dit subhanahu wa ta'ala, i'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurun rahim. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il est pardonneur et il est miséricordieux subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, pour que tu puisses avoir cette balance dans ta vie. Tu crains toujours la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps tu te dis, ah, j'ai espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es entre ces deux ailes, alors sache que tu es sur l'oiseau de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va t'amener, incha'Allah subhanahu wa ta'ala, au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ce que le prophète alayhi salatu wasalam, il nous dit pour nous rappeler la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que la punition est sévère? Il dit alayhi salatu wasalam, comme dans le hadith qui est dans At-Tirmidhi, نَارُكُمْ هَذِهِ الَّذِي أَوْ أَلَّتِي تُوْقِدُونَ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ. Il dit alayhi salatu wasalam, sachez que le feu que vous avez aujourd'hui, le feu que vous utilisez dans ce bas monde, n'est-ce pas, pour vous faire de la nourriture, pour autre chose, sachez que ce feu du bas monde n'est qu'une de 70 parties, de 70 multiples des feux de l'enfer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Toute punition que tu peux imaginer dans ce bas monde,
le cancer, le mal. Je ne dis pas qu'une personne qui a le cancer, c'est une punition. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis que je parle ici du cancer, de la maladie en général, en tant que mal, pour pouvoir imaginer c'est quoi le mal auquel tu peux faire face dans l'au-delà, ou l'iyadu billahi subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en protège. Tout mal que tu peux imaginer dans ce bas monde, imagine que ça, ce n'est rien du tout. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Donc il dit عليه الصلاة والسلام que ce feu du bas monde que toi tu vois, tu risques même pas de mettre, n'est-ce pas, ta main proche de ce feu. Quand il y a un peu, une petite sonnette comme ça, n'est-ce pas, on va mobiliser des camions de pompiers, on va ramener tout le monde juste parce qu'on a tellement peur de ce feu. Il dit, alayhi salatu wasalam, que ce feu ne constitue qu'une seule de 70 parties des feux de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en protège. Wal'iyadu billahi subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Écoutez ce hadith du prophète, alayhi salatu wasalam, qui nous rappelle encore une fois à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que parfois, tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu, ça ne veut pas dire que tu sais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va faire de toi. C'est parce que tu ne sais pas quelle est ta position auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu es sur le bon chemin? Tu es sur le mauvais chemin? Est-ce que tes péchés vont être pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala? Ils ne vont pas être pardonnés? Donc tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ghafur Rahim, tu sais qu'il est Shadidul Iqab, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver à toi. Et c'est pour ça que tu dois toujours être entre les deux, être ouvert aux deux options. Peut-être que je n'ai pas fait assez de bonnes actions. Et peut-être que je veux aller en enfer, alors je dois faire plus. Et parfois, tu vas te dire, non, mais je m'en fais trop. Je dois aussi connaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux, avoir espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, que moi je fais mon possible en tant qu'être humain, et le reste, je le laisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit comme dans Sahih Muslim, il a dit, alayhi salatu wa salam, « لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. » Si seulement le croyant, si le croyant savait la punition que Allah subhanahu wa ta'ala a préparée, ça veut dire à ceux qui méritent la punition, il dit alayhi salatu wa salam, personne sur cette terre n'aurait espéré entrer au paradis. Tout le monde va se dire c'est impossible. S'il y a une telle punition qui nous attend, il est impossible que je puisse accéder au paradis. Mais après ça, il dit alayhi salatu wa salam, وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. Et si le mécréant savait quelle est la miséricorde que Allah subhanahu wa ta'ala il a préparée à ceux qui méritent sa miséricorde, il n'y a personne qui va perdre espoir en le fait d'entrer au paradis. Ça veut dire chacun va dire, ah, s'il y a une telle miséricorde qui est dans l'au-delà, c'est certain que tout le monde va aller au paradis. N'est-ce pas? Donc tu ne peux pas savoir. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ghafurun Rahim, mais en même temps, il punit subhanahu wa ta'ala. Et sa punition est sévère. Maintenant, comment nous protéger de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment tendre vers le côté de la miséricorde? Tu dois savoir qu'avant tout ça, et après tout ça, écoutez ce hadith du prophète, alayhi salatu wasalam, n'est-ce pas? Parce que parfois, il y a des gens qui critiquent l'islam sur ce point-là. Ils vont dire, ah, mais voyez-vous, par exemple, dans d'autres religions, on va dire que nous, on croit que Dieu, il est seulement miséricordieux. Mais vous parlez, le Coran, ça parle de la punition, etc., n'est-ce pas? Et ça, ce n'est pas vrai en passant. Même si vous ouvrez la Bible, ça parle de la punition, ça parle de bien d'autres choses. Mais même si on va prendre ça du point de vue théorique, le fait de dire aux gens que Dieu, le jour du jugement, tu vas aller rencontrer ton Seigneur, mais que ton Seigneur est miséricordieux, et tu t'arrêtes là et tu vas dire non, Dieu n'a pas la punition, n'a pas telle chose, et Dieu il est miséricordieux, les gens vont te dire, alors moi j'ai le droit de faire tout ce que je veux faire, je vais voler de l'argent, je vais assassiner des gens, n'est-ce pas, je vais faire le pire que tu puisses imaginer, je vais dire moi j'attends que Dieu puisse me donner le salut le jour du jugement. Alors ça, ce n'est pas logique. Et en plus de ça, la deuxième réponse, c'est quoi? C'est qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si Allah subhanahu wa ta'ala il est miséricordieux et il punit en même temps, c'est quoi la chose qui est la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est la miséricorde et le pardon. Ça veut dire la punition, c'est vraiment pour quelqu'un qui ne veut pas avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne prend pas ses chances auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Écoutez ce que le prophète alayhi salatu wasalam il a dit dans le hadith qui est authentique. Il a dit alayhi salatu wasalam, lamma khalaqa Allahu al-khalqa kataba fi kitabin katabahu wa huwa mawdu'un tahta al-arsh inna rahmati sabaqat ghadabi. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette création, cet univers la première fois, qu'est-ce qu'il a fait subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala a écrit dans un livre, et ce livre-là Allah subhanahu wa ta'ala il l'a mis, il l'a préservé sous son trône. Qu'est-ce qui est écrit sur ce livre-là? Que ma miséricorde devance ma colère. Que ma miséricorde, que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala devance sa colère subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et dans l'autre verset, et pour introduire ce verset, je vais commencer avec une histoire. Il y a une fois un homme qui est venu chez l'un des ulama, l'un des savants de l'islam, lui a dit, « Ya Sheikh, ya alim. » N'est-ce pas une petite, comme ça, il lui pose une petite question piège, comme ça, peut-être qu'il a vu que lui, dans sa, n'est-ce pas, dans son serment, il a dit aux gens, attention, il y a l'enfer, telle chose, il veut lui poser une petite question piège. Il a dit, Aïna rahmatullah, où est la miséricorde d'Allah? Il a dit, ah, la réponse est dans le Coran. Inna rahmatallahi qaribu min al-muhsinin. Certes, la miséricorde d'Allah est proche de ceux qui sont al-muhsinin, qui sont les bienfaiseurs. Ça veut dire, si tu veux mériter la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois faire le bien. Tu dois être quelqu'un qui fait de son meilleur. Tu prouves que tu fais des efforts. Mais si tu oublies complètement Allah subhanahu wa ta'ala, ne t'attends à rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billahi subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Un autre nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-qarib. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus proche. Wa laqad khalaqna l'insana وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous sommes, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala est plus proche de l'être humain que sa propre veine jugulaire. Allah subhanahu wa ta'ala est si proche de nous. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut te faire quelque chose, maintenant, à l'instant, ça va arriver à l'instant. Il n'y a personne qui peut te protéger de ça. Et si Allah subhanahu wa ta'ala veut te protéger d'un danger imminent, il va te protéger maintenant et personne ne peut te faire du mal. Et ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout ce que tu fais. Et là où tu es, Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec toi. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ça ne veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, je sais que c'est une question que les gens posent, n'est-ce pas, de façon fréquente. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous partout? Est-ce que ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous physiquement? La wa al-iyadu billah. Ça veut dire tout simplement que là où tu es, Allah subhanahu wa ta'ala, il est présent. L'exemple qu'on peut donner qui est très simple, tu es à Montréal, tu vas faire un voyage ce soir, Montréal, mettant vers Toronto, tu prends ta voiture, n'est-ce pas? Tu quittes à minuit, quelqu'un t'appelle au téléphone. Est-ce que la lune est avec toi? Est-ce que tu vois la lune maintenant? Oui, la lune est présente. Tu fais ton voyage, tu pars, tu voyages, tu arrives à Toronto, la lune est encore présente, n'est-ce pas? Parfois tu vas parler avec quelqu'un au téléphone, à Montréal, tu lui parles, il est présent, il est avec toi au téléphone, pas physiquement. Tu arrives à Toronto, tu lui parles, il est toujours avec toi, au téléphone. Donc ce genre de questions, n'est-ce pas, philosophiques, ne devraient pas être en quelque sorte notre souci plus important, entrer dans des débats qui sont inutiles parfois, alors que le but, l'objectif principal, c'est de le connaître, de connaître Allah subhanahu wa ta'ala vraiment pour pouvoir l'adorer subhanahu wa ta'ala, pas pour faire des débats de philosophie avec les différentes sectes et les différentes questions qu'on pourrait se poser. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche de nous et il est avec nous subhanahu wa ta'ala avec son assistance, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec tout le monde. Même quelqu'un qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec lui, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala le surveille. Il ne peut pas sortir de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala te surveille, mais aussi qu'il soit avec toi, alors sache que Allah subhanahu wa ta'ala, il est aussi al-qarib. Si tu veux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va se rapprocher de toi. Le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il dit alayhi salatu wa salam? Que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani. Je suis toujours selon la pensée de mon serviteur de moi. Ça veut dire, si tu penses du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va t'apporter du bien, n'est-ce pas? Réponse très simple à l'une des maladies de nos jours, n'est-ce pas, la dépression, que les gens, ils s'attendent toujours au pire des choses, à la pire des options. Le prophète, alayhi salatu wasalam, nous a appris à toujours être positif.
optimiste. Tant que tu fais le bien, si tu fais le mal, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si tu fais le bien, tu dois être optimiste parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit comme dans ce hadith, أنا عند ظن عبدي بي. Je suis de la façon de laquelle mon serviteur il pense de moi. Si tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider, Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider. Si tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te laisser tomber alors que tu ne mérites pas l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas t'aider. Après ça, il dit alayhi salatu wassalam que Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ. Il dit subhanahu wa ta'ala que si mon serviteur se rappelle de moi tout seul, il fait mention de moi tout seul, je vais faire mention de lui. Quand tu fais le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va faire mention de toi. Et si tu fais mention d'Allah subhanahu wa ta'ala fi mala'in, dans un groupe avec des personnes, alors Allah subhanahu wa ta'ala va faire mention de toi dans un groupe qui est plus important que ce groupe, qui est le groupe des mala'ika, des anges alayhim salam. Allah subhanahu wa ta'ala va parler de toi aux malaïka, aux anges, alayhim as-salatu was-salam. Et après ça, il dit subhanahu wa ta'ala, wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dira'an, wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'an, wa in atani yamshi ataytuhu harwala. N'est-ce pas? Ici, ça nous décrit des mesures qui existaient dans le temps des Arabes, que je ne sais pas exactement ça équivaut à quoi de nos jours en termes de pouces ou bien de, n'est-ce pas, de centimètres, etc. Mais l'idée c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce hadith que si tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une distance, il va se rapprocher de toi d'une distance qui est plus grande. Et si tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une distance plus grande, il va se rapprocher de toi d'une distance qui est encore plus grande. Et si tu marches vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va venir vers toi encore plus rapidement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aime quand on se rapproche de lui. Et quand tu vas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te rapprocher plus rapidement. Le shaitan, parfois, il va te dire quoi? Ne fais pas ta prière, tu ne devrais pas commencer ta prière. Pourquoi? La prière, c'est trop difficile. Ce n'est pas pour toi. Prier 5 fois par jour, c'est tout un effort. Mais toi, tu dois savoir quoi? Tu dois savoir que toi, tu n'as qu'à faire l'effort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va te tirer vers lui. Il va te faciliter subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Donc, ce n'est qu'une question de sincérité, de volonté. Le reste vient d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Qu'en réalité, toutes nos bonnes actions nous viennent d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Nous, ce qu'on doit faire, c'est la volonté et le premier pas en quelque sorte. Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire le reste pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Malik. Il est Al-Malik. Al-Malik, c'est quoi? C'est ce qu'on dit de nos jours en français, le roi. Ça veut dire la vraie royauté appartient à Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Tous les rois du monde ne sont que des rois qui sont temporaires, qui sont limités, qui vivent et qui meurent, qui peuvent faire des protocoles pour montrer qu'ils sont des rois, mais dans leur vie personnelle, ils sont touchés par la tristesse, par la maladie, par les problèmes, n'est-ce pas, par l'angoisse, par plein d'autres choses. Le vrai et le seul roi, c'est Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, le prophète alayhi salatu wa salam. Nous dit dans le hadith authentique qui a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَوَاتِ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ. Le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala va prendre la terre et va plier les cieux, ça veut dire tout cet univers. Tout cet univers, Allah subhanahu wa ta'ala va le plier en un seul instant. Et après ça, il va dire subhanahu wa ta'ala, parce qu'il n'y a plus d'univers, il n'y a plus de vie de ce bas monde. Il dit subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, Ana al-Malik, Aina mulukul ard. Je suis le roi. Où sont les rois de la terre, de ce bas monde? Et dans notre narration, il dit subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, Ana al-Malik, Aina al-Jabbaruna, Aina al-Mutakabbirun, Thumma yatwi al-Aradina bishimalihi, Thumma yakulu, Ana al-Malik, Aina al-Jabbaruna, Aina al-Mutakabbirun. Allah subhanahu wa ta'ala va terminer cet univers et va dire, je suis le roi, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Où sont les rois? Où sont les tyrans? Où sont les arrogants? Personne ne va répondre. Personne ne va répondre parce que la royauté n'appartient qu'à Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Tout le reste, c'est des illusions qui vont se terminer à un instant ou bien à un autre. Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, il est al-azim.
Il est Al-Azim, le très grand, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Al-Azama, c'est la grandeur. Il est Al-Qawi, il est le tout puissant, subhanahu wa ta'ala. Il a la puissance qui est parfaite, qui est extrême, qui est absolue. Subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Vous savez que, juste pour donner un petit exemple comme ça, en 2004, lorsqu'il y a eu le tsunami, le grand tsunami de 2004 qui a fait plein de morts, les savants ont fait des recherches, les scientifiques ont fait des recherches, des études, des évaluations, des estimations. Ils ont estimé l'énergie qui a été dégagée par le tsunami sur la surface de la Terre. Ça veut dire on ne parle pas de... Parce que le tsunami vient initialement, bien sûr, d'un séisme qui est à l'intérieur de l'océan. On ne parle pas de ce qui est à l'intérieur de l'océan. On parle de l'énergie qui est arrivée à la Terre après être dissipée à travers l'océan, etc. Ils disent qu'elle est évaluée et qu'elle est équivalente à 26 mégatonnes de TNT. 26 mégatonnes de TNT, ce qui équivaut à 1500 fois l'énergie qui a été dégagée par la bombe atomique de Hiroshima. 1500 fois une bombe atomique. L'être humain, il fait des recherches, etc., pour pouvoir se faire une bombe atomique. Ça, c'est un petit séisme d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On ne parle pas ici, des étoiles et des choses qui arrivent, que parfois on va vous dire, n'est-ce pas, on entend parler parfois dans les nouvelles, qu'il y a quelque chose comme ça qui risque de nous arriver du ciel, une petite chose comme ça, n'est-ce pas, qui pourrait causer l'arrêt des services de cellulaires et de telles choses et de telles choses. L'être humain, il pense encore une fois qu'il s'est protégé, qu'il a des armées, qu'il a des découvertes, t'as rien. On se rappelle, il y a 3 ans, je pense que c'était 3 ans, n'est-ce pas, le volcan en Europe. Une seule éruption volcanique inattendue a cessé la machine et le système des transports aériens en Europe. N'est-ce pas, imaginez si Allah subhanahu wa ta'ala nous envoyait comme ça des volcans à chaque jour qui vont sortir à droite et à gauche, on n'aurait pas pu vivre. Tout ça, c'est des rappels qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie pour nous rappeler de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, ce n'est techniquement même pas, bien malheureusement pas possible, parce que c'est une petite conférence, mais j'avais une petite vidéo comme ça chez moi qui te montre de façon qui est, n'est-ce pas, avec des graphiques que tu peux voir, c'est quoi, en quelque sorte, ça équivaut à quoi, quelle est la comparaison de la Terre, de cette planète, de notre planète par rapport aux autres planètes jusqu'à ce que ça arrive, n'est-ce pas, au Soleil, à d'autres étoiles beaucoup plus grandes et beaucoup plus grandes, et après ça tu vas voir que cette Terre-là n'équivaut à rien. C'est comme de la poussière dans cet univers. Et ça, c'est selon ce que les êtres humains ont pu découvrir. Et à chaque fois, ils nous disent, ah, ils viennent de découvrir qu'il y a d'autres galaxies beaucoup plus grandes. La plus grande étoile qui a été découverte jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, dans cet univers, son diamètre est évalué à 29 milliards de kilomètres. 29 milliards de kilomètres. Ils disent que ça prendrait pour un avion, pour qu'il puisse faire, n'est-ce pas, une seule fois le tour de cette planète, un avion va prendre 110 années, de façon qui est permanente, comme ça, à voler, pour pouvoir faire le tour une seule fois d'une seule planète, de cette planète, n'est-ce pas? Et l'être humain, quoi? Juste, s'il va avoir une salle comme ça, il va posséder une salle comme ça sur cette planète, Terre, qui ne vaut rien du tout, il va dire, ah, n'est-ce pas, je suis riche, je suis puissant, je possède, vous êtes qui les autres? Vous n'avez pas la même terre que moi, n'est-ce pas? Il va vouloir commencer à s'étendre, etc. Alors que toute cette terre, même cette petite planète sur laquelle on vit, n'est-ce pas, on peut utiliser quoi de cette petite planète? Tu as déjà 70% de la planète qui est juste des océans. Quand tu prends un avion, ici on est en Amérique, n'est-ce pas, on prend souvent l'avion pour aller vers l'autre partie du monde. Tu parcours, n'est-ce pas, ton parcours pour des heures, tu ne vois qu'un océan. Ça, c'est un avion, ce n'est pas un cheval ou bien, n'est-ce pas? C'est un avion qui parcourt et tu ne vois que la mer. Ça n'en finit plus. Tu as un petit 29% environ de terre, et de cette terre, la grande majorité, n'est-ce pas, c'est des déserts et des sables, etc. Il ne reste que très peu pour les villes, et malgré ça, l'être humain, il pense que ça y est. Il pense que c'est fini. L'être humain
n'est rien du tout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuha al-insanu ma gharraka bi rabbika al-karim. L'être humain ne vit que dans le leurre, en quelque sorte. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle, pour finir avec les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle un autre signe de sa grandeur, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, qu'on n'a pas encore vu, et qui va être un signe qui va être vu par tout le monde. Ya ayyuha an-nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Il dit subhanahu wa ta'ala, ô vous les gens, les êtres humains, craignez votre Seigneur, car certes le séisme de l'heure, le séisme de la fin des temps, tous les séismes, n'est-ce pas les tremblements de terre que nous on a vus? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont déjà vécu, qui ont déjà été présentes dans un séisme? Levez vos mains. Un vrai séisme, pas quelque chose d'un petit 4, n'est-ce pas, 3 pour 3, comme ça on te dit, ah, il y a un petit séisme, n'est-ce pas? Un séisme, quand ça commence à devenir 6 degrés, 7 degrés, ça c'est ce qu'on appelle un vrai séisme, n'est-ce pas? Je vous défie de ramener la personne la plus arrogante sur cette terre. Celui qui te dit, moi j'ai peur, j'ai pas peur, n'est-ce pas, je suis courageux et j'ai des muscles, etc. Et mettez-le quand il y a un séisme de 7 ou bien de 8 degrés. Vous allez voir c'est quoi sa réaction. Impossible qu'il tienne debout. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim. Certes, le séisme de la fin des temps, ça va être quelque chose d'énorme, de très grand. C'est tout l'univers qui va être exterminé. Ce n'est pas la planète Terre ou bien un pays ou bien une ville. Même les montagnes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que les montagnes vont exploser en un seul instant, n'est-ce pas? Les montagnes qui sont en tant que telles l'un des signes de la grandeur d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Encore une fois, ramenez-moi une puissance sur cette terre qui peut faire descendre et faire terminer et faire enlever en quelque sorte une petite montagne d'un kilomètre de sommet, n'est-ce pas? Impossible. La montagne est un signe de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette créature-là qui est si dure et qui est présente que tu ne peux pas la bouger. C'est là et c'est là pour rester. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-qawi et il est al-azim. Et il est aussi, je vais prendre un petit 2 minutes, inshallah, parce qu'après ça, je vais parler d'un autre point qu'on m'a demandé de faire, inshallah, je vais m'assurer de finir à l'heure, bi'idnillahi azza wa jal. Je voulais ajouter un autre attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est al-latif. Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-latif. L'un des sens de al-latif, il y a plusieurs sens, mais l'un des sens de al-latif, c'est quoi? Que les gens ne connaissent pas. Les gens, ils savent que al-latif, ça vient de al-lutf, qui est la douceur, etc. Mais il y a un autre sens de al-latif. Al-latif, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il fait passer son qadar d'une façon que toi, tu ne vas même pas sentir. Ça veut dire quelque chose qui passe en douceur. Et ça implique que parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ta vie, il va te faire passer, il va t'envoyer quelque chose de bien qui va t'arriver en douceur. Qu'est-ce que ça veut dire en douceur? Ça veut dire, toi, tu penses que ça, c'est une punition. Tu penses que c'est un mal, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que ça c'est bon pour toi. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. À plus long terme, c'est pour ton propre bien. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran al-Karim pour nous décrire encore une fois l'ignorance de l'être humain qui ne connaît pas son Seigneur. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'être humain, si son Seigneur, il va le traiter de la bonne façon, il va lui donner l'argent, le pouvoir, etc. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va dire? Rabbi akramen. Mon Seigneur me traite d'une bonne façon. Ça veut dire, mon Seigneur, il m'aime. Comme il y a des gens qui disent, moi je ne prie pas, je fais telle chose, mais je sais que Dieu, il m'aime. Comment tu sais que Dieu, il t'aime? Parce que, alhamdoulilah, Dieu, il m'a donné une belle épouse, n'est-ce pas? Une belle maison, j'ai des enfants qui sont en bonne santé. Alhamdoulilah, Dieu, il m'aime. Est-ce que ça veut dire que celui qui est à l'hôpital, Dieu, il l'aime pas? وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنَ. Et quand il va l'éprouver et qu'il va restreindre son accès aux ressources, il n'a pas d'argent, il est pauvre, qu'est-ce qu'il va dire l'être humain? Encore une fois, il ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire رَبِّي أَهَانَنَ. Mon Seigneur me maltraite. Tu penses que parce que, par exemple, tu n'as pas d'argent, n'est-ce pas? Tu n'as pas autant d'argent que les autres, que Dieu, il ne t'aime pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Il dit subhanahu wa ta'ala, كَلَّا. Ça, ce n'est que des épreuves. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'envoyer la pauvreté pour t'emmener à quelque chose qui est meilleur pour toi dans ce bas monde et dans l'au-delà.
Tu vas faire une entrevue, n'est-ce pas? Tu te préparais tellement pour cette entrevue, pour qu'on puisse t'accepter, n'est-ce pas, dans cet emploi de rêve, ou bien dans cette maîtrise ou doctorat de rêve, que tu as préparé pendant des mois, et après ça, ça ne fonctionne pas, tu es refusé. Là, il y a des gens qui vont déprimer, l'autre qui va se suicider, l'autre telle chose. Le croyant, il va dire quoi? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait, moi je ne sais pas. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que parfois vous aimez des choses qui sont mauvaises pour vous, parfois vous détestez des choses qui sont bonnes pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a éprouvé avec ce petit test, tu vas être un peu patient, et après ça, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner quelque chose de meilleur. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit. Et quand on parle de ça aussi, attention, une chose, ça c'est un point très important que je viens de me rappeler, n'est-ce pas? Qu'il y a des gens qui pensent que la religion c'est moi et Allah subhanahu wa ta'ala. Je décide et il décide. Non, la religion c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est insensé, c'est illogique de croire, moi je vais croire, Dieu, mon Seigneur, il est si miséricordieux envers moi, il m'aime, il me protège, il est le puissant, il connaît tout, etc. Mais après ça, je vais dire, ah, je vais ouvrir son livre, comme ça je vais dire, ah, cette partie de la religion, je l'aime bien. L'autre partie, ça n'a pas beaucoup de sens. Les temps ont changé de nos jours, on devrait la changer, etc., etc. N'est-ce pas qu'on va dire parfois, on va dire que c'était un religieux, n'est-ce pas, comment on appelle ça, radicaliste, qui veut suivre le Coran à la lettre. Moi, je crois que le Coran, et je peux le prouver, que le Coran, c'est le livre de Dieu. Si toi, tu ne crois pas que le Coran, c'est le livre de Dieu, c'est normal, c'est logique. Mais c'est illogique pour quelqu'un de dire, moi, je crois que le Coran, ça, c'est le livre de Dieu. Après, ça veut dire, ouais, mais le suivre à la lettre, c'est... N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Dieu, il ne sait pas? Est-ce que Dieu, il ne sait pas? Est-ce que Dieu, il a oublié des choses qui sont importantes? Est-ce qu'il nous a demandé de faire les mauvaises choses? Dieu qui t'a créé toi et le système nerveux qui est à l'intérieur de toi, que les médecins n'arrivent même pas à comprendre pleinement de nos jours, n'est-ce pas? Et qui a créé ton corps à l'intérieur et ton âme et les choses que tu ne peux pas expliquer et les bactéries et les maladies qu'on n'a pas pu leur trouver une explication jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui a révélé ce livre. Et quand il te dit fais telle chose et ne fais pas telle chose, quand il te dit que ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est interdit, ça c'est licite, tu dois avoir confiance en ton Seigneur subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Pour clore, inshallah, on m'a demandé de parler d'un autre petit point en 5 minutes qu'on va combiner parce que c'est le même sujet en quelque sorte. Quelle est la récompense de celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala? Connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre responsabilité. Ça répond à la question existentielle la plus importante dans cet univers, qui est Allah. Mais ça nous apporte quoi de plus? La chose la plus grande que ça va nous emporter, ou bien que ça va nous apporter de plus auprès d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, c'est que on ne va pas tout simplement accéder au paradis. Incha'Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va te préparer quelque chose de plus grand que le paradis, en plus du paradis. Le prophète alayhi salatu wasalam, dans le hadith authentique, qu'est-ce qu'il a dit alayhi salatu wasalam? Idha dakhala ahlul jannati al jannata yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turiduna shay'an azidukum. Quand les gens du paradis vont accéder au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire, voulez-vous quelque chose de plus? Est-ce que je vous donne quelque chose de plus? Dans ce bas monde, quand on te demande comme ça, allez, choisis, gratuit, vas-y, prends. Ce n'est pas une promotion là, 50%, c'est gratuit. Juste prends, demande et on va te ramener. Les gens peuvent passer des mois à demander, ils ne vont jamais finir. Je veux telle voiture et telle autre voiture et telle autre nourriture. Ça ne va jamais finir. Imaginez le paradis de sa grandeur, de sa perfection que tu ne peux même pas imaginer. Tu es à court d'idées, tu ne peux même pas demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, demande. Si tu as besoin de quelque chose de plus, tu vas dire, ça y est, j'ai tout ce que je veux. Et j'ai plus que ce que je veux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner aux gens du paradis quelque chose d'inattendu et de beaucoup plus grande que tout délice du paradis. Il dit alayhi salatu wasalam, fayaquluna alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna al-jannata wa tunajjina min an-nar? Qala fayakshifu al-hijaba fama u'tu shay'an ahabba ilayhim min an-nazar ila rabbihim 'azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala va lever le voile qui les séparait de leur créateur subhanahu wa ta'ala et ils vont pouvoir regarder Allah subhanahu wa ta'ala, voir Allah subhanahu wa ta'ala, tout adorer dans ce bas monde sans le voir, n'est-ce pas?
Les gens étaient en train de rire de eux. Toi, tu adores un Dieu que tu ne peux pas voir et tu ne peux pas me prouver scientifiquement que Dieu il existe et n'est-ce pas, il la recherche et telle chose. Tu ne vois pas ton Seigneur et tu l'adores, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala va te donner en retour ce privilège de pouvoir voir ton Seigneur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dans le paradis. Et il dit, alayhi salatu wasalam, ça c'est le plus grand délice que les gens du paradis vont avoir. C'est pour ça qu'ils vont tout oublier. Mais attention, ce n'est pas tout le monde qui a accès à la même chose. Il y a les croyants les plus sincères, les plus rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vont voir Allah subhanahu wa ta'ala au paradis jour et nuit. Et il y a d'autres qui vont le voir une fois par semaine. Yawmul Mazid, n'est-ce pas, comme les ulama, ils l'ont nommé. Donc, dépendamment de la foi de la personne, elle aura plus accès à pouvoir regarder son Seigneur subhanahu wa tabaraka wa ta'ala dans le paradis comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le promet. Même fil Qur'ani al-Karim, il dit subhanahu wa tabaraka wa ta'ala wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Des visages qui vont être heureux en train de regarder et de voir leur Seigneur. Et les mécréants, celui qui ne veut pas croire en son Seigneur et qui rencontre son Seigneur sans faire de repentir, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ? Kalla innahum 'an rabbihim yawma idhin lamahjubun. La pire punition des gens de l'enfer, ce n'est pas seulement d'entrer en enfer. C'est d'être quand leur interdisent le fait de regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Il va y avoir un voile entre eux et leur créateur. Parce que là, ils vont connaître leur créature, il existe. Ils vont vouloir le regarder, subhanahu wa ta'ala. Mais impossible. Pourquoi? Parce que dans ce bas monde, ils étaient empêchés par un voile. Le voile de leur tentation, de leur dunya, de leur n'importe quelle chose qu'ils voulaient se dire. Dieu, c'est le dernier de mes soucis. Moi, je vais vivre, me faire de l'argent, après ça, je meurs et c'est fini. Alors, le jour du jugement, tu vas être empêché par un voile. Et le croyant, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, alayhi salatu wasalam, al-ihsan, la bienfaisance, le vrai ihsan, c'est quoi? An ta'bud Allah ka'annaka tarah. C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais dans ce bas monde. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Car même si toi tu ne le vois pas, sache que lui il te voit subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Alors la récompense que tu mérites le jour du jugement, puisque tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, Allah subhanahu wa ta'ala va te permettre de le voir subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Et je vais clore avec ce verset: lilladina ahsanu al-husna wa ziyada. Ceux qui ont fait l'ihsan, la bienfaisance, ils ont été bienfaisants dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner al-husna, ça veut dire la récompense du paradis, et beaucoup plus. C'est quoi beaucoup plus? C'est de pouvoir regarder et voir leur Seigneur subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens du paradis, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne sa connaissance subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Hada wa sallu wa sallimu ala man amarakum Allahu ta'ala bis salati wa salami alayhi wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi.